Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, coloriage encore. Celles qui aiment voir du DP là avec moi, bah, en ce moment elles sont. Il n'y en a pas beaucoup, mais je vais me rattraper, vous inquiétez pas les filles, il y en aura. Alors, comme vous avez vu dans mon haul Amazon, que je vous remettrai. Je me suis dit, je vais me mettre, enfin, je vais m'essayer au coloriage mystère. Voilà. Et donc, j'ai acheté le tout dernier Disney. C'est le Babies Disney, donc les bébés Disney. Je rappelle que quand je l'ai commandé, donc je l'ai reçu le 26, et quand je l'ai commandé, il sortait le 26. Donc je l'ai reçu le jour de sa sortie. Donc c'était vraiment il était tout chaud, voilà, c'est ça que je voulais dire. voilà, et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc aujourd'hui, je me suis essayée au coloriage mystère. J'ai commencé un coloriage. Je vous verrai le premier personnage qui ressort de ce coloriage. Parce que bon, là, la page n'est pas finie. Bon, je suis en train de le faire au crayon de couleur. Bon, il est joli hein, en crayon de couleur. Je crois que je vais opter pour les feutres parce que sinon je vais bouffer. Je vais bouffer littéralement du crayon de couleur. Là, je les ai fait avec ma nouvelle boîte de crayons de couleur. Comment dire, j'en ai un qui a déjà fait. Bon, celui-là, tant pis, je vais le finir au crayon de couleur. Hein, j'ai commencé au crayon de couleur. Mais les prochains, je vais les faire au feutre. Parce que là, sinon, il va me falloir des boîtes et des boîtes de crayons de couleur. Ça va pas être, ce ne sera pas la peine. On va plutôt taper dans le feutre. Bon, j'ai pas trop l'habitude. Je sais colorier en feutre, hein, c'est pas là le problème, mais c'est parce que j'ai pas trop l'habitude d'utiliser les feutres. Mais voilà. Donc là, je vais vous laisser visionner mes premiers pas dans le coloriage mystère. Voilà. Bon, je voulais passer en vitesse un petit peu rapide parce que sinon ça va être un peu long. Puisque là, il n'y a pas de. Comment? Il n'y a pas de technique particulière à regarder pour faire comme moi, hein, puisque voilà. Donc, je voulais passer en vitesse un petit peu rapide. Mais par contre, je veux bien avoir votre avis. Voilà. Bon, sur mon premier coloriage mystère. Là, j'ai hâte de finir celui-là, bien sûr. Bon, je vais le finir, comme je dis, au crayon. Et après, j'ai hâte de pouvoir commencer des autres, mais au feutre. Voilà. Sinon, bah, rien de neuf. Voilà. Ouais, non, c'est tout. voilà. Vous me dites ce que vous en pensez, surtout celles qui ont l'habitude de faire du coloriage mystère. Là, mon chouchou, lui, ne fait que ça, donc je lui ai montré, il m'a dit, oui, c'est beau, c'est bien. Il dit, mais bon, au crayon, t'as pas fini, hein. Oui, donc c'est pour ça, j'ai dit, ouais, non, au crayon, ça va me coûter cher. C'est pour ça, je lui dis, je vais voir pour faire au feutre. Je vais sûrement lui piquer ses feutres, parce que moi, j'ai que des feutres qui transpercent. Ou sinon, je m'offrirai une petite boîte de feutre qui ne transperce pas. Voilà. Mais bon, on verra. Allez, je vous laisse regarder cette petite vidéo. Je vous fais à tous de gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude.
À bientôt, bisous bisous, et laissez-moi les commentaires pour que vous me disiez ce que vous en pensez. Bon visionnage! Thank you.
Thank you.
Thank you.